Au contraire, ce sont les victimes qui ont été condamnées. Ils sont détenus à la prison centrale de Goma, certains condamnés pour 10 ans, pour 20 ans, et même des condamnations à perpétuité. C'est un crime contre l'humanité. D'autres ont été tués pendant qu'ils respiraient encore dans des véhicules. Donc c'est un crime indescriptible. La justice a clôturé le dossier parce que ça implique les hauts commandements de la garde républicaine. Donc, nous avons voulu solliciter votre compassion, Monsieur le Président, pour que ces crimes ici ne restent pas impunis. Je le fais jamais. Et donc, là, cet homme s'attend de ça. On va rester comme ça ou on va... Bon, l'avenir, il est de l'Église. Oui, vous venez visiter le tombe de mon compatriote, Wazalendo. Vous êtes tué par la garde républicaine. Le président, le candidat président numéro 21. C'est ici. Là-bas, c'est vous qui faites ça aussi. Le responsable a été condamné à perpétuité. Le pasteur. En fait, ce sont eux qui s'appelaient le véritable Wazalendo. Curieusement, aujourd'hui, celui qui les a massacrés se réclame pour Wazalendo. Et madame est pasteur. PCLU, le passager de fer ici à Goma, sous la pluie. Pour un hommage à nos frères Wazalendo qui a été tué, tenu par la garde républicaine. Plus de 50 corps de Wazalendo tués par la garde républicaine, y compris la journaliste qui a été tuée dans les studios par la garde républicaine le jour du massacre de Wazalendo là-bas. Pour que les familles sachent que nous n'oublierons jamais ceux qui perdent leur vie pour notre nation. Et pour dire aussi que ce massacre-là ne restera jamais impuni. On apprend aujourd'hui que ceux qui ont commis ces crimes sont à tout ça, mais
mâles sont appelés. Et aussi les nombres qu'ils ont donnés. Ce n'est pas nécessaire. Parce que nous savons que nous avons cassé quoi avait assisté, comment dire, à la plaidoirie, au procès. Et dans ce procès-là, il fallait payer au moins 115 pour 115 personnes, 115 familles. Et donc, quand on nous dit qu'on a enterré seulement 55 ou 57 personnes, ce n'est pas vrai. Merci. Merci. Vous le coup, il m'a cassé. Voilà. Là, nous allons quitter ici. Voilà la tombe de Kouya. Et la pluie, c'est prévu qu'on aille voir le camp des réfugiés qui sont ici. Tout autour de Goma, à la lisière de Goma, il y a des réfugiés, des déplacés, des guerres partout. Et vous avez vu les enfants qui sont plus approchés. Et on a coupé sur ma coutage, quelque chose comme ça. Mais je crois qu'on va devoir couper parce qu'il pleut énormément. Je ne sais même pas comment on va partir pour Bukavu là. Apparemment ici, il pleut chaque jour régulièrement. Mais d'abord, notre véhicule est devant. Voilà. Et les petits. Et tu vois là, la musique. Et voilà. Le volcan, il y a un gros coupé là-bas. Voilà. Hein? 500. Il n'est pas 500. Pardon. Attends. Venga bani masana. Ma. Wa piyo. Zela. Attends. Eh. 500. Vous la dites. Ah, petit, on va souffrir. Bana va déplacer non. Ah, va souffrir petit. Tu vas peser les gars. Voilà, je viens de rendre hommage à nos frères ici, à Goma. Nous allons. Madame,